Bon début de semaine. Bon début de semaine, mes amours. Bonjour, buongiorno. Amen. Amen. Bonjour la team, bonjour les cœurs. Ok, attendez, bonjour les amours. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonjour.
Envoyez les cœurs. Amen. Bonjour mes amours, vous allez bien? Bonjour les cœurs. Bonjour mes cœurs. Partagez le direct. Je suis là ce matin déjà pour vous souhaiter un bon début de semaine. Voilà, on a passé un très bon week-end avec vous, à votre compagnie. N'hésitez pas de partager ma page, d'activer la cloche de notification afin de recevoir la bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'était pour souhaiter une bonne semaine. Surtout, vous dire que Dieu a fait. Dieu a fait pour moi. Amen. Dieu a fait pour moi. J'ai trouvé les abeilles. Le secret est trop lourd. Je ne peux pas partager. Ça veut dire que je n'ai pas pu garder le secret. J'ai trouvé. Je pense que vous avez remarqué, vous avez constaté depuis un certain moment, depuis un certain temps que je suis terriblement, terriblement, terriblement amoureuse. Amen. Enfin, Dieu n'oublie personne. Je suis amoureuse. J'ai un homme dans ma vie. C'est l'annonce de cette semaine. Bonjour ma reine, mais depuis le Luxembourg, je t'embrasserai au Luxembourg bientôt. Donc je suis amoureuse. Les gens, Dieu a donné un mari. Dieu vient de donner, exercer les prières de beaucoup d'abeilles, des sympathisants. Oui, je voulais vous dire ce matin que la reine mère a désormais un homme dans sa vie. Les abeilles, vous avez un père. Les gens vous ont traité les enfants bâtards partout. Vous avez un papa maintenant. Vous avez désormais un père. Et vous allez découvrir votre père le jour de mon mariage. Préparez-vous. Ça va faire le bim. Parce que Lolo beauté. Parce que Lolo beauté. Il a dit que ma part sera le bim. Dès demain, je commence à porter ma bague de fiançailles, même si j'ai acheté moi-même. Je vais porter où? Mon homme. Un conteneur de gars. Un télo. Il a là l'école pour nous deux. Oui. C'est-à-dire que mon gars, ce n'est pas les bébés des gars que les gens. Maman, mon gars, c'est un vrai gars. Mignon. Il est mignon comme la patate douce. Le gars est frais. Il ne tape pas le tam-tam. Vous comprenez, non? Donc, écrivez là. Dieu bénit le mariage de notre reine mère. Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire que bénit l'union de notre reine mère et son bon gars. Ils sont chéris. Mettez les prières pour votre père. Que personne ne l'arrache. Parce que ce n'est pas un gars arrachable. On ne peut pas l'arracher. Ce n'est pas un traîneur. Dieu vous a donné un père. Un papa. Un responsable. Il ne mange pas dehors. Il ne mange pas dehors. Dès que la maman va déposer les valises chez votre père. Vous n'avez pas remarqué que j'ai diminué les directs. Vous me voyez encore trop parler en direct. Sauf vous souhaitez bon réveil comme ça et partagez ma joie avec mes détracteurs.
qu'elles aillent avoir un fiancé, on voit. Je veux me marier. Vous comprenez? Mettez la bénédiction là. Mettez la bénédiction là, que le Seigneur bénisse au mariage, au couple. Envoyez les étoiles. Merci chérie, merci à toi qui viens là. Sois brutalement béni, papa. Sois brutalement béni, papa. Écrivez ça. Sois brutalement béni le mariage de la reine, mais le mariage m'appelle. Marriage call me. Oui. Maman, commencez déjà à acheter vos habits. Hein. Commencez déjà à acheter vos tenues du mariage. Je vais vous annoncer. Hey, est-ce qu'il m'appelle? Commencez à annoncer, commencez à acheter vos tenues. Celles qui veulent faire le régime, faites le régime. Pour entrer dans vos tenues. Pour celles qui ne peuvent pas faire le régime, il n'y a pas de problème. Vous allez aussi, pour celles qui veulent être filles d'honneur, celles qui veulent être filles d'honneur, vous commencez déjà à dire comment vous voulez qu'on prépare ce mariage. Ce mariage, mon mariage, vous avez payé l'entrée. Parce que le mariage de la reine, mais vous avez payé l'entrée. Mariage de ça. Écrivez le mariage de ça. Mes amours, je vous aime. Je voulais partager ma voix avec ma joie avec vous. Et dire à mon homme que chérie, sache que. C'est-à-dire que. Je voulais te dire que mon cœur, que, et ne perdez pas votre temps dans le Congo, ça. Parce que mon homme, c'est un blanc. C'est un gars qui est noir, mais c'est un, il a l'esprit européen. Donc vos petites choses du Congo, ça, que vous allez partir dire à mon homme que, wow, elle avait fait que avant parler de mon passé, inventer le passé, puisque je n'ai pas un passé sale. Inventer mon passé, raconter que wow, elle avait fait que avant mon gars ne comprend pas l'autre là. Trouvez le nom de votre père. Le mariage sera le conseil. On ne vend pas les pains. Oui, on peut même vendre les pains, hein. 50 euros. 50 euros le pain. Non, on va prendre un bon pain, 70 euros le pain. Après, vous allez courir à 40 euros, 50 euros, 70 euros. Le mariage va se célébrer ici en France, à Paris. Mon gars ne me dote pas. Mon père était à mort. Oui. Bon, il va donner une dot symbolique à maman Anna. Oui, bon. Oui, oui, il va donner une dot symbolique. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Les invités, pardon, soyez classe. Parce que la façon que vous inventez, les abeilles, je vous ai vanté à votre père jusqu'à. Appelez-la que papa sucre. Papa sucre du cœur. Papa sucre de Mafo. Écrivez le sucre de Mafo. Je brille comme ça, c'est grâce à lui. Le sucre de ça. Oui. Je voulais seulement appuyer la télécommande et envoyer la nouvelle que je suis déjà fiancée. Oh. Ma copine et moi, nous avons déjà un gars. Et ce que je veux faire, donnez-moi la recette. Je veux la recette du sanga. Mettez-moi, écrivez-moi. Mettez-moi la recette du sanga en commentaire. C'est le plat préféré de Papa Sucre. Papa Chouka. On va l'appeler en anglais Chouka. Papa Nashuka. Donc écrivez là le. Donnez-moi la recette du sanga. C'est pour Papa Nashuka. Chouka Nashuka. Ce n'est pas choukré, ne comprenez pas. On dit que Chouka. Cherchez d'avoir vos visas pour celles qui sont en Afrique pour le mariage de la Mafou. Mettez-moi la recette du sanga, c'est son plat préféré. S'il vous plaît.
de ma faute. Voilà. Donc, le sucre de ma faute, chouka. Pour celle qui ne sait pas lire le français, c'est chouka. Papa n'a chouka de ma faute. Oui. Je connais où mon père garde les papiers de la maison. Donc, maintenant, je peux chercher à vendre. Non, laisse ça. Mettez-moi la recette du sangha. Votre père adore. C'est son plat préféré. Votre père a plaqué jusqu'à. Là où je suis là, je commence le régime aujourd'hui. Je commence à chercher les filles qui vont préparer pour mon mariage. Oui. Soyez sur la couleur. Parce que ça sera le hélélélé du venez voir. Papa Chouka, Papa Chouka, Mafo, la recette du sangha, le devoir de la semaine. Oui, la télécommande, ça, il donne le devoir et pas m'asseoir au quartier. Mon gars est quand? Mon gars, c'est un gars quand? Hey! Ouh, maman! Oh. Je laisse saluer ma belle soeur Valérie Amougou. Je salue mes belles soeurs là-bas de l'autre côté. Votre frère est tombé dans mon filet. Il dit que meurs avec toi, je t'aime. Oui. Il est écam de Saint-Mélima. Mon gars est de Saint-Mélima. J'en connais qui vont prendre la corde attachée au cou pour se suicider. Votre père est de Saint-Mélima. D'ailleurs, je peux lui dire je t'aime en leur langue. Je t'aime en leur langue. Bam bam kiri. Bam bam ngoke. Madiwa, amour. Madiwa, mon cœur. Madiwa. Ah. Abre ton awawama. Eh, abre ton zainiwama. Pourquoi? Tata Doudou pour le repas. Erike, mon gars est kang. Erike, ouais. Discret, elle dit que maman, la façon que le Maya et la sucre jusqu'à 200 mélima. La lionne, commence à chercher ton visa. Oh. Le Maya serait ici. Moi, ne fais rien au pays. Oh. Je n'organise pas moi que je suis au pays. Ma mère ici, on me dote là. Bon, bon, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça, mais c'est pas la dot qui va le dépasser. Oui. Un vrai conteneur de gars. Sans mélima. Abreton Zanawama. Madigwa. Mbembe me kiri. Kiri mbem. Me tête me ben ni momoutan. Tête me ben ni momoutan. Naso aide. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais aller à Saint-Mélima. Je vais acheter les terres là-bas. Et en passant, le 8 mars, la journée internationale de cette année, j'envoie un message aux femmes de la diaspora. Nous avons perdu notre père, notre fils, père de famille. Martinez Zogo, je demande à la diaspora, aux femmes de la diaspora et du monde entier de s'habiller en noir, toujours avec une touche de noir en mémoire de notre enfant qui est parti d'une manière sadique, d'une manière brutale. Donc la journée internationale de la femme cette année doit être en son honneur. On doit pleurer notre enfant.
On doit pleurer notre fils. Oui. On doit le pleurer, peu importe où vous êtes. Le 8 mars, vous portez le noir. Peu importe ce que vous allez mettre sur vous. Vous mettez une touche de noir en mémoire de Martinez Ogo. Il pouvait être ton frère. Il pouvait être ton mari. Il pouvait être ton fils. Toi, femme, qui porte 9 mois, qui pleure, qui crie. Si vous pensez aux pleurs de sa mère, de cette maman-là, si vous pensez aux pleurs, parce qu'on va dire que sa femme, c'est vrai, elle pleure. Mais la mère, qui est encore vivante, qui enterre son fils d'une manière brutale, d'une manière bizarre. Le 8 mars, je porte le noir. Toutes les fêtes de mars où je vais aller, je serai habillée en noir. Je porte le noir dans toutes les soirées de mars dont je suis invitée. Je mettrai que la touche noire. Je ne porterai que le noir, l'habit noir. Pour cet enfant-là. Et chaque personne qui va faire une soirée doit faire 1 minute de silence en mémoire de Martinez Ogo. Le mois de mars, là. Attendez, on m'appelle. Oui, c'est bon, c'est bon, tu arrives. Je vais chercher ma voiture. Oui, c'est bon, t'es prêt? Je suis prête. Oui, parce qu'il faut que je sorte là. Dans combien de temps tu es là? Ok, je t'attends. Donc, j'étais en train de vous dire, les gens, que portons le noir pour la mémoire de cet enfant, de notre frère. En mars, là, toutes les femmes, vous portez que l'habit noir. Même si vous portez vos tenues là, vous mettez quand même la touche du noir, un noir quelque part en rappel à sa mémoire. C'est de ça qu'il s'agit. On pleure. Nous ne voulons plus ça. Je vais vous laisser, je vais m'en aller là. Je vais à la maison, j'ai beaucoup de ménage à faire. Comme lundi, je vais faire le ménage le soir. Bon, quand je suis à la maison, je suis toute seule. Hein. Vous avez dit que la matière est à l'hosto, donc. Noir et rouge. Rouge et noir, comme vous voulez. Oui, c'est comment? Ça va, mon petit. Ça va bien. Non, elle ne peut pas sortir là maintenant. À partir de ce matin, on va la mettre sur la chaise roulante. Elle pourra s'asseoir. Oui. Ah, ça va aller. Est-ce que tu vas connaître où aller? Quand tu arrives à faire un goudron basson, fais un goudron basson, tu demandes la résidence Flore. Non, la résidence Flore, ce n'est pas là ma résidence. Quand tu as fait un goudron basson, non. Tu prends la moto, tu dis que tu vas chez le commandant. Tous les Bersikineux le font un goudron basson, ils connaissent chez le commandant. Je t'envoie le numéro de Beauclerc. Oui, fais un goudron basson, bien tu demandes chez Thomson. Il vend le ciment. Tu dis que tu vas aller chez Thomson. Il travaille au champ, là-bas. Ok. Tu peux aller chercher chez Odette si tu veux. Tu m'as haut. Oui, il est là-bas. Mais ça dépend à quelle heure tu pars là-bas. Ah, ok. Donc, je t'envoie le numéro. Là, je t'envoie le numéro de Thomson. Le monsieur qui a là où on vend le quincaillerie, là.
Quand tu as fait un goudron basson, non? Tu l'appelles, tu dis que tu es mon frère. Tu voulais, tu vois, non? Attends, je t'envoie son numéro tout de suite. Ok. Tana, c'est ça là-bas, hein, le numéro de Thompson. Donc, tu vas aller. Quand tu as fait un goudron basson déjà, il a le truc de quincaillerie là-bas. Il va t'indiquer. Bisous. Dans les cœurs, je vous souhaite un bon début de semaine. Un gros bisou à vous. Quelqu'un a fait la pub d'urgence, ça, sur moi. Et tu ne payes pas. Toi, tu viens vendre les mèches sur mon. Ça veut dire que tu fais de. Tu viens faire la pub, c'est des mèches. Tu ne sais pas que tu dois me contacter pour faire la pub. Moi, je vais te bloquer. Vous croyez que quoi? Hein, ma chérie? Tu fais la pub, tu me contactes. On signe un contrat. Brice Atéba, je suis là, votre belle-sœur. Maman, bientôt le bim sur Facebook. Pour le moment, je cache mon gars. Je ne vais jamais montrer votre père sur Facebook. Jamais, à grand jamais. Ce n'est pas un homme Facebook. Une star ne met pas son nom sur Facebook. Je commence à le mettre là. Non. Je ne mets pas mon gars. Il reste discret, il reste derrière. C'est comme ça. Et je vais commencer à partir petit à petit parce que je m'en vais faire mon mariage. Même si c'est sur Facebook. Est-ce que vous voyez, je parle encore des trucs des grossièretés là? Ne dis plus ça. Je voulais envoyer un message. Je suis fatiguée, maman, mais écoute, on m'a cassé les reins. Donc, je suis. vendredi, j'envoie encore le message à Maguida. Toi, Maguida de Montréal, je t'envoie un petit message pour te dire que rembourse l'argent de la femme que tu as arnaquée. En partant l'épouser. Remets ces 2 390 000 que tu as escroqué. Sans compter toutes les nourritures que tu as mangées chez elle. Si tu ne rembourses pas, vendredi, je poste tes photos. Te voici ici. Les gens sont au Canada, à Montréal. Il faut lui dire, voilà ça. Ici. Je vous laisse. Bonne journée. Bisous. Bon début de semaine. Je vous aime, mes belles-sœurs. Ma Diwa, ma belle-sœur. Bisous à tout le monde. À ce soir.